Alors, 15 janvier 43, 15h45, Stalingrad, moins 25 degrés, bon ça va, ça. Il fait moins froid. Nous avons nettoyé la plupart des pièces sur la façade de l'hôtel de ville. Deux de nos hommes ont déjà été abattus par des tirs embusqués ennemis qui font feu par les fenêtres. À cause d'eux, nous avons dû avancer avec de grandes précautions. La même raison empêche les Allemands d'attaquer de notre côté du bâtiment. Quelque part dehors, nos camarades tireurs d'élite ouvrent l'œil eux aussi. Camarades tireurs d'élite. Est-ce que j'aurai le droit à un sniper? Attendez. Le mec qui a réussi à esquiver mes balles. Oh! Non mais qu'est-ce que foutait la grenade derrière moi? Enfin, elle était censée être derrière moi la grenade, pas. Oh non, bon mais j'ai de Russie. Aïe, aïe, aïe. Ah c'est lui qui a lancé la grenade. Pourquoi les alliés tirent des grenades? Bonjour! Enfoiré! Ah! Oh mon dieu! Je suis bloqué! Oh! Ah! Et non mais c'est un guet-apens! Moi j'ai pas de mitrailleuse là, hein, je peux rien faire! En plus ils ont fermé la porte derrière nous quoi! Là, là. C'est à calmer, vas-y, montre-toi. De courageux soldats allemands de la 297e division d'infanterie ont sauvé plus de 20 enfants pris au piège dans un orphelinat en feu au sud de la ville. Qui est-ce que tu traînes? L'incendie avait été causé par les bombardements irresponsables commandés par Staline lui-même, voilà. Sans aucune considération pour la vie de ses citoyens. Grâce aux efforts de nos soldats, nos honorables enfants peuvent espérer un avenir meilleur et plus serein. Troisième Reich. Vous êtes obligé de gueuler comme ça à chaque fois. Oh, il fait peur ce con. Bonjour. Ça a l'air très cossu chez vous. Ok, ils sont avec moi. Ah, oh, les places comme ça me fait chier. Tireur embusqué. Genre, oui, alors vous allez passer par là. Vassili, attrape le fusil à lunettes. Ah. Bon, maintenant attends que Pavel attire l'attention de ce salopard. Pavel, vas-y. Oui, camarade. Il est où? Attends, vous avez vu quelqu'un ou c'est moi là? Le bâtiment rouge, au deuxième. Attends, deuxième. Ah ah! Mais je vois juste son bras. Là. C'est quoi déjà pour se retenir son souffle? Non, c'est pas ça. Est-ce qu'il y a un bouton pour retenir son souffle? Je m'en rappelle plus. Le bâtiment rouge, au deuxième. Il est mort. Joli coup, camarade. Bien joué, Vassili. Maintenant, on avance. Nous devons sécuriser le reste de l'hôtel de ville. Mais enfin, un sniper, quand il tire 2-3 coups, au bout d'un moment, il change de position. Hein, c'est une règle de base. Punaise. Dans le dos. D'où lui?
Ah, mais qui... Sérieux, je l'ai pas vu, hein. Suivez-moi. D'accord, je suis avec vous. Il y a une porte là. Oh, oh non, je crois pas, mais sérieux. Avec moi. Je te suis, camarade. Oh, attendez. Ah, poussez-vous. Ah. Je lance une grenade. Oh, sérieux les gars. J'en ai marre des alliés. J'en ai marre. D'accord, je suis avec vous. Tenez. Voilà, toi t'es mort, je suis plus chier. Il y a l'autre en bas maintenant. J'entends courir. Oh, c'est chiant parce que je... Là. Je lance une grenade. Sanité, volontiers. Attention, mettez-vous à couvert. Ok, je l'ai raté, c'est magnifique. Quel tireur d'élite je fais. Se tient prêt à secourir tous les honorables camarades soviétiques. Je vais prendre ça, merci. Je la plus proche. Il n'y a rien de plus facile. Oh, oh mais... Ah, en commando, c'est rare, hein, parce que... Vache. Avec moi. Je te suis, camarade. Voilà. Artem, viens de la grenade. Une grenade allemande. Soit se passe pas en haut, soit se passe en bas. J'ai rien que mes alliés m'aident, parce que j'ai l'impression qu'ils servent à rien. Corps militaire médical allemand se tient prêt à se couvrir. Plus la garde ta grenade, merci. Sanité, état. Rendez-vous à la patrouille allemande la plus proche. Il n'y a rien de plus facile. Attendez. MP40. Merci. Vous êtes sérieux? C'est où j'étais tout à l'heure? Ah oui d'accord, ils ont changé de... Je tire dessus, ça ne fait rien du tout. Putain, c'est vous. Ok, bah j'aurais dû faire ça dès le début. Le rez-de-chaussée est sous contrôle. GG. Dernier étage sous contrôle. GG. Le bâtiment est à nous, camarades. Nous devons nous préparer à leur contre-attaque. En position défensive. Ah bon? Vous êtes où? En bas? Il passe à l'attaque. Je vais me mettre en haut parce que... Venez la position, camarade. Attendez-moi. Elle est où? Où est-elle? Elle est là. Je crois. Elle a passé l'hiver au froid.
fous là, toi? Aïe! Attendez, je vais pour retenir mon souffle. Ah c'est ça. Ah, aïe aïe aïe. Par contre, non, 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 non. Et recharge, vite, 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 vite. Elle est où l'MG? Oh la vache, oh, je rien du tout. Hein. Du calme, voilà, du calme, du calme, du calme. Oh, pinaise. Déstressé. Oui, bah je peux pas tout faire, je suis en train de garder les sous-sols moi. Moi je remonte, salut. Elle est où votre arme anti-char? Ah 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 ah. Non mais... Vas-y, prends une arme anti-char, je suis d'accord. Elle est où votre arme anti-char? Là, il y a un mec là. Une autre MG42 est en train de se déployer sur la place. Infanterie ennemie, près du blindé, au nord. Oh là là, je pointe le nez quelque part et on me tire dessus. Une balle de mort. D'accord, d'accord, allez, allez. Je vois rien. Il y a trop de neige. Anti-char et détruit-le. Quelqu'un a une arme anti-char sous le coude ou... Ou je dois le trouver par magie. Aïe. Alors attendez. Arme anti-char. Oh la PPH. Merci. Non on va la garder. Oh 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 oh. Oh mais non mais... Oh, je vous raconte pas la galère quoi. Toi ta grenade tu te la gardes. On dirait qu'ils ont un détecteur de...
Elle est où? Oh, la galère totale. C'est magnifique. Infanterie ennemie, à côté de la fontaine, au nord. Vous vous rendez compte qu'il y a du monde là? Ah non, il est avec moi lui. Merde. Oh mon dieu. Super dur. Ah c'est dingue quoi. Mais j'ai rien fait, arrêtez. Regardez-moi ça, ils attendent tous là comme... Hop, à moi, au secours. Oh, vite, vite. Oh, l'arme de merde, la PP MP40, je... La défense. Pas chier, fais pas chier. Il y a une... censé y avoir une arme anti-char quelque part, moi je la trouve nulle part. Hein. Ok, les mecs arrivent à me tirer à travers le mur. Ok, d'accord. D'accord. mon dieu, c'est super hard. Repousser la vague d'assaut, il en reste deux. Une autre MG42 est en train de se déployer sur la place. En fait, l'étoile, c'est juste... Faut que je reste ici. Okay. Non, pourquoi je prends une jumelle? Je ne sais pas. Ah, c'est bon. Regardez, Yat. Je suis pas tout seul dans l'immeuble, mais c'est pas grave, tout le monde a décidé de me tirer dessus.
fait peur. Lui. Aïe, 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 non, faut que je reste en vie. Oui! Ok, non. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Reste en vie. God. Félicitations, un campion russe est achevé. Oh mon dieu. Oh la vache, c'est hard hein. Le truc c'est qu'il n'y a personne en bas, donc forcément si on reste tous au deuxième étage, les Allemands ils passent, ils arrivent dans notre dos, ils nous flinguent. Donc faut forcément être en bas pour les empêcher de rentrer, enfin les tuer tous quand ils rentrent. Et moi le coup du Vassili, un blindé, trouve une arme anti-char. Elle est où l'arme anti-char? J'en ai pas moi, juste un fusil, hein, c'est bon. Hein. Enfin bref, on y est, enfin j'y suis arrivé. Eh ben, chaud. Bon, au prochain épisode, on fera le baroud d'honneur de Romuel. Après, je pense que ça va, on va commencer. Bah, de toute façon, là, on sera en 43. Donc après on aura débloqué les on va attaquer sur 44 et 45, donc on va débloquer les premières missions avec les Américains et la dernière mission avec les Anglais, et ensuite normalement ça va être la pointe du Hoc et après on va voir la bataille de Normandie et autres. Enfin bref, on verra ça au prochain épisode. Allez, j'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve très vite pour la suite de Call of Duty 2. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Bye.